Allons-y. Tokende Longo. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps que nous avons passé avec tes enfants pour parler ensemble sur cette affaire du mariage de nos enfants. Nous savons que c'est un problème épineux aujourd'hui. Mais, bien-aimé Seigneur, je te remercie pour leur participation. Et surtout de nous aider nous tous à bien saisir la portée, l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Père, nous savons que la société humaine aujourd'hui est en train, Seigneur notre que Dieu, de tomber plus bas. Les choses ne font que s'empirer, comme le prophète l'a dit. Mais toi, Seigneur, tu nous as appelés du milieu de cette société pour former un peuple à part, comme au temps d'Esther. Aman pouvait dire, il y a un peuple ici. Ils ont des lois, des coutumes différentes de tous les autres peuples. Il est écrit dans la parole, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous devons avoir des principes conformément à la parole, proche de la parole, pour que toi, Seigneur notre Dieu, tu sois et tu marches toujours avec nous. Aide-nous, notre Père. Je sais que ce n'est pas facile, mais aide-nous, Seigneur. Et alors que nous allons essayer d'exhorter un peu, que tu nous assistes, que ça puisse nous fortifier, nous tous, nous aider, nous inspirer, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Christo. Amen. Amen. J'espère que vous allez me donner ne fût-ce que 1h, 1h30, si vous le voulez bien. Le petit message s'est fixé nos regards sur Christ. Notre absolu. Longo nabiso. Fixant nos regards sur Christ. Kotiaka miso nabiso to makansi nabiso liko na Christo. Le message de l'heure. Sango malamu yantango. J'aimerais que nous puissions aussi lire dans Psaume 17. La lingete totanga pe na nzemo na Dawidi mokapo ya mokama na zomi na sambo. Verset 14. Délivre-moi des hommes par ta main, éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. De le réveil, je me rassasierai
de ton image. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face et dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Paul dit dans Hébreux, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En regardant, en courant, hein, en regardant vers Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Et David dit ici, Seigneur, délivre-moi des hommes de ce monde. Leur part, hein, c'est la vie du monde. Ils aiment la vie du monde et c'est ce qui les intéresse. Et même tu les remplis de bien. Leurs enfants sont rassasiés de bien. Et ils laissent même leur superflu à leurs petits-enfants. Les richesses et toutes sortes de choses qu'ils ont. Mais pour moi, Seigneur, dans la justice, je vais contempler ta face. De le réveil du matin, je vais me rassasier de ton image. Pour moi, voir ou regarder, contempler la face de Dieu. Être rassasié de son image. Être rassasié de sa parole. Je contemple la face de Dieu. Je vois le visage de Dieu. En contemplant ça, je me rassasie de son image. Je contemple tellement sa beauté. Je regarde Jésus, je vois sa beauté, je vois sa parole. Contempler la face de Dieu. Être changé par cette vision, hein, à son image. Quand quelqu'un est rassasié, il a mangé, hein, ça l'a changé. Il est rassasié, il est plein. Au lieu d'être rassasié des choses de ce monde, en regardant ici, en regardant là-bas, mais pendant que les autres laissent leur bien et ceci, hein, il leur passe dans la vie et à leurs enfants. Mais ma part, c'est de contempler ta face. C'est contempler ta beauté. Être changé par cette vision de ton image. Et ainsi partager ta sainteté. C'est ça mon ambition. C'est ça mon grand désir. C'est ce que j'aspire. Non pas d'avoir part à, hein, aux choses. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment.
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Frère Branham a pris cette écriture quand il a prêché le message l'enlèvement. Je demande une chose à l'Éternel. C'est ça mon grand désir. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Contempler la magnificence, la beauté de l'Éternel. Contempler son image, sa parole. Admirer son temple. Et quand je vois ça, je suis rassasié. Je suis content, je suis satisfait. Parce que j'ai contemplé Dieu, j'ai contemplé sa face. C'est ça ce que je veux. Être changé par cette vision-là. Participer à sa justice. Participer à sa sainteté. En regardant, en les contemplant. Parce que vous devez savoir tout ce que vous regardez. Ça vous influence d'une certaine manière. Même si vous ne le savez pas. C'est que tu as l'habitude de regarder, ça t'influence. Ce que les yeux regardent, ça influence votre vie même si tu ne le sais pas. Aujourd'hui, la science utilise les messages subliminaux. Bon, tu vas dans un endroit, tu regardes une certaine chose, ou bien tu entends une certaine musique, et cette musique-là, ça va te manipuler. Ce que tu vois, ça influence ta vie sans que tu le saches. Et quand nous regardons la Bible, ça a été ainsi dans le jardin d'Éden. La Bible dit que Ève regarda l'arbre. Elle vit que c'était beau. Elle regarda. Elle vit que c'était beau. Et la chose ensuite, c'était d'aller prendre pour manger. D'abord, elle a regardé. Et en regardant, ça l'a influencé. Cela a agi sur elle. Et ça a créé quelque chose en elle. Et ça l'a poussé à aller prendre cet arbre-là. Dans cet âge dans lequel nous vivons, où nous vivons avec toutes sortes de choses à côté de nous, c'est un monde de grande instabilité. Tout change. Il n'y a rien de stable. Tout change. Les voitures changent. Les téléphones changent. Les radios changent. Tous les habillements changent. Et ça change presque au jour le jour. Il n'y a rien de stable. Et nous devons savoir, pendant que nous vivons dans une société qui ne fait que changer, ces changements-là nous influencent aussi. Sans que nous le sachions. L'environnement nous influence. Ce que nous entendons, ce que nous voyons, ça influence. Ça nous change. Ça nous transforme. Nos habitudes. Aujourd'hui, on parle de la mondialisation. Et on peut voir dans le monde entier. Les nations, les cultures, ça ne fait que changer. Et on est en train d'adopter quelque chose, on ne sait pas demain ça va être quoi.
nini. Hein, on ne sait pas demain ça va être quoi. Aujourd'hui on s'habille comme ça. Demain on chante. Aujourd'hui on est comme on change comme ça. Et on ne sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter. Et nous sommes dans cette perpétuelle mutation. À cause de ce que nous entendons, ce que nous voyons, ça ne fait que nous influencer. Un frère Branham dit, les femmes vont regarder à la télévision. Ça vient d'Hollywood. Elles vont voir à la télévision. En ce qu'elles voient, demain, même si on ne lui a pas dit de faire, même si on ne l'a pas obligé de faire, ce qu'elle a regardé, demain, hein, elle va faire ça. Elle va s'habiller comme ça. Les garçons vont voir à la télévision, sur Internet, une certaine chose, même si on ne leur dit pas de le faire. Le fait d'avoir vu, ça les influence. C'est que les enfants voient à l'école, à les universités, à les sociétés, ça nous influence. Au point où le chrétien aujourd'hui qui entre dans cette vie-là n'a plus un absolu. Il ne sait plus quoi faire. Il n'a pas de référence. Il n'a plus de bornes. Il va où le vent le pousse d'aller. Il change comme le monde change. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour un chrétien. Un chrétien n'a pas été envoyé dans le monde pour se laisser influencer par tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend. Un chrétien, il doit avoir un absolu. Un chrétien doit avoir une référence. Un chrétien doit avoir une encre. Un chrétien doit avoir comme référence, comme absolu, Christ la parole. Je regarde la parole. Je contemple la parole. Parce que nous vivons dans l'âge. Dieu a envoyé un message pour que l'image de Dieu que l'homme avait perdu dans les jardins d'Éden. Aujourd'hui, Christ était venu. Il est l'image de Dieu. Il est la ressemblance de Dieu. Il est mort. Il est parti. Et le voilà qui rentre encore aujourd'hui. Pourquoi il rentre aujourd'hui? Avec les livres. Parce qu'il veut aujourd'hui ramener l'homme à la véritable image du commencement. Il veut ramener l'homme à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Qu'en vivant sur la terre, Dieu aujourd'hui au travers du message, il veut voir des hommes, il veut voir des femmes à son image, à sa ressemblance, qui marche comme lui. Pas des hommes qui sont en train de vagabonder ici et là. Aujourd'hui il est tel, demain il est tel, demain il est tel, sans identité, sans référence. Ce n'est pas le genre de chrétien que Dieu cherche. C'est pourquoi
pourquoi il est descendu lui-même. Pourquoi il est descendu? Pour qu'en descendant, comme Pierre l'avait dit, comme Jean l'avait dit, nous ne savons pas encore. Lisons dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Je crois le verset 5. Verset 2. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons quand, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand il paraîtra, et c'est aujourd'hui qu'il est venu, c'est aujourd'hui que nous avons vu réellement la face de Dieu. Nous avons vu ce qu'il est. Nous le voyons apparaître. Le signe du Fils de l'homme. La nuée. Et nous voyons Jésus lui-même à l'intérieur. Et la Bible nous dit, quand nous le verrons, lorsque nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. En le voyant, en le regardant, notre Seigneur, notre Jésus, nous allons contempler sa beauté. Nous allons contempler son image. Nous allons contempler sa parole. Et en le regardant, pendant que sur la terre, tout ce que les hommes regardent, ils voient une publicité. Pourquoi les gens mettent la publicité? Parce que l'homme sait ce que l'homme regarde. Ça l'influence. Il va voir ça. Il va chercher la bière. Il va faire ceci. Il va faire ça. Et toutes sortes de publicités pour pousser l'homme à devenir ce qu'il est en train de voir. Et c'est pourquoi dans ces derniers jours, Dieu lui-même, Christ lui-même, il va descendre dans ces temps de la fin. Pour que, au lieu de regarder au monde et être déformé par le monde, mais que nous regardons Jésus, nous regardons la parole et que nous soyons transformés à son image. Si nous le contemplons, si nous le regardons, nous serons rassasiés de son image. La parole va s'incarner à l'intérieur de nous. Et vous savez, quand vous mangez, que vous êtes rassasiés, vous savez bien que cette nourriture-là influence votre vie. Ça influence votre vie. Ce sont des vitamines qui vont dans les cerveaux. Ce sont des vitamines qui entrent dans différents membres du corps pour vous aider à être fort, pour vous aider à faire ceci, pour vous aider à faire ça. Ce que vous mangez, quand vous êtes rassasié, quand vous êtes content, ça vous donne la force, ça vous permet de faire un certain travail. Et c'est pourquoi Jésus aujourd'hui, il est venu, il est descendu, et le prophète, les prophètes nous a dit, voici l'époux. Voici l'époux. Et voici l'époux. En hébreu, ça veut dire, regardez l'époux. Contemplez l'époux. Regardez-le. Contemplez-le. Voici l'époux.
Allez à sa rencontre. Et c'est ce que le message nous dit en ces derniers jours. Pour que nous soyons à son image. Pour nous donner une forme. Nous donner une certaine image, une certaine identité. Que nous ne soyons pas des hommes où on ne sait pas reconnaître qui il est. Hein? Aujourd'hui, dans ce monde de confusion, on ne sait plus reconnaître que ça c'est un chrétien ou bien ça ce n'est pas un chrétien. On regarde une femme, on ne sait pas la différencier avec une païenne. Mais il vient à l'église. On vient à l'église, on se met là, on va entendre, mais quand on sort ici, il n'y a rien dans la tête. On va donner la tête à une coiffeuse. On va donner l'habillement à un tailleur. Et ce que la femme est, c'est ce qu'elle a trouvé dans les salons de coiffure. Son habillement, c'est ce que le tailleur a fait. Ses souliers, c'est ce qu'elle a ramassé dans le magasin. Donc, on ne sait pas comment. Ce n'est pas ça le message de l'heure. Branham n'est pas venu chercher des églises. Il est venu chercher une épouse qui doit être façonnée d'une certaine manière. Notre Dieu, il est très exigeant. Quand il a choisi Israël, regardez qu'il n'a pas laissé Israël se débrouiller. Israël n'est pas allé bon, chacun faisant ce qu'il veut. Pour montrer que Dieu, il a des règles. Il a une mode de vie. Il a des principes. Il est saint. Il est saint. Il a donné aux enfants d'Israël un prophète et des lois. Sa parole. Et les enfants d'Israël devaient constamment lire la loi. Lire la parole pour que cette parole puisse les façonner, les modeler, faire d'eux un peuple tout à fait particulier en lisant la parole. Ils devaient lire la parole dans leur maison, ils devaient lire la parole dans les voyages, ils devaient amener la Bible partout pour savoir dans tel domaine qu'est-ce que Dieu a demandé. Et regardez, il était très rigoureux. Si quelqu'un il mange ou il travaille les jours de sabbat, on le tue. Si une femme, un homme commet adultère, on les lapide. S'il fait ceci, c'était des lois très dur. C'est pour nous donner l'image d'un Dieu saint. Un Dieu qui avait amené son peuple dans un certain environnement. Les enfants d'Israël devaient manger cette loi et de se rassasier de l'image de la loi. Hein, c'est ce que Dieu doit faire aujourd'hui. Et c'est ce que les chrétiens doit chercher. Que je crois ce message, non pas pour vivre comme je veux, mais ce message doit me façonner. Et aujourd'hui, Dieu me ramène à son image, à sa ressemblance. Alors les chrétiens doivent faire attention à la parole. J'avais lu un petit livre. Il y a quelques années, il y avait un homme qui était à l'aéroport, qui attendait un avion. Il était dans la salle d'attente. Hein, il était là, en train d'entendre l'appel pour aller dans l'avion. Mais pendant qu'il était dans la salle d'attente, hein, il y avait de la musique. Et
ça l'a beaucoup intéressé. Et il y avait aussi des images qu'il était en train de regarder. Ça l'a tellement emporté. La musique et ce qu'il était en train de voir. Et quand l'appel a retenti, hein, le passager de tel endroit doit maintenant aller embarquer. Lui n'a pas entendu. Hein, il était tellement pris par ce qu'il écoutait, par ce qu'il voyait, au point où le message important, le but pour lequel il était dans la salle d'attente, il a manqué. Hein? Et on a encore rappelé, oh, les passagers de tel endroit doivent venir. Et lui n'avait pas entendu. Hein? On a fermé les portes. L'avion est parti. Et quand l'avion est parti, et après, hein, il va se rendre compte. On dit, monsieur, mais qu'est-ce que tu attends ici? Non, j'attends le vol de tel endroit. Mais on a fait plusieurs fois la paix. Où est-ce que tu étais? Non, j'étais seulement ici. Mais comment tu étais là? On a fait plusieurs fois la paix. Comment tu n'as pas été? Oh, excusez-moi. J'étais là, transporté. J'étais là, en écoutant. Mais tu as raté ton avion, monsieur. Et pourquoi il a raté? C'est parce que il était là. Il n'a pas compris qu'il était là. Non pas pour voir les images. Non pas pour écouter la musique. Mais il était là pour attendre son avion. Il devait faire attention à l'appel. Il est resté là. Il a manqué son avion parce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il a façonné, la musique qu'il entendait, ça l'a tellement transporté qu'il n'a pas entendu la chose principale. Nous devons savoir pourquoi nous sommes ici. Nous sommes presque dans la salle d'attente. Pour attendre d'un moment à l'autre, quelque chose peut arriver, on va partir. Si déjà tu as ton visa, si tu as déjà ton passeport, non, tu dois être là pour écouter et attirer l'attention à ce que hein, tu es en train d'entendre. Dans le message, la robe d'occasion. Hein, frère Branham dit, la robe d'occasion. Frère Branham dit dans... C'est dans, je crois que vous connaissez l'histoire, c'est dans 2 Rois chapitre 2. On nous parle ici de départ d'Élie. Hein, je ne saurais pas tout lire. Mais si vous lisez à partir du verset 1, vous allez voir que c'était la fin du ministère d'Élie. Et Dieu lui avait dit de oindre Élisée. Et il avait déjà oint Élisée. Et voilà qu'Élisée a compris que c'est la fin de son ministère. Et il suivait un Élie. Pendant qu'il le suivait, Élie va dire à Élisée, reste ici. Car l'Éternel m'envoie à Bethel. Mais Élisée va répondre, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il lui répondit, je le sais, taisez-vous. Hein, voilà, Élisée, Elisa, hein, il avait un objectif. Il a compris que c'est la fin. J'ai
dois rester attaché à cet homme jusqu'à la fin. Je dois voir comment il va terminer son ministère. Élisée sentait qu'il y avait quelque chose qu'il devait recevoir de ce ministère. Et regardez quand il le suivait. Élie lui dit, mon fils, reste ici. Tu n'as pas à me suivre jusque là-bas. C'est comme si Élie décourageait Élisée. Reste ici. C'est difficile. Mais Élisée, il avait la révélation. Il a dit non. Moi, je ne reste pas. Moi, je vais te suivre jusqu'à la fin. Même si Élie essayait de le décourager. Mais Élisée, il avait la révélation. Les enfants du prophète, les religieux qui étaient là, essayaient aussi de décourager Élisée. Mais Élisée n'écoutait pas toutes ces voix-là. Il avait un objectif, je vais arriver, aller avec cet homme jusqu'à la fin. Tout ce que les autres disaient, ça ne lui disait rien. Et vous allez suivre à chaque étape. C'était la même chose. Mais Élisée a persévéré jusqu'à la fin. Et arrivé quand ils ont passé le Jourdain, Élie dit maintenant à Élisée, je vois maintenant que tu as persévéré. Nous avons traversé le Jourdain. Mais maintenant, comme tu as persévéré, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé, Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élisée, comme tu as persévéré, je suis content. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu as tenu ferme. Les anges disaient ici, tu n'as pas voulu écouter. Moi-même, je t'ai découragé. Tu as persévéré. Mais maintenant, ta récompense, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Que la double portion de ton esprit soit sur moi. Et ce que Dieu a fait avec toi, qu'il le fasse sur moi, pour moi en double portion. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. La double portion, c'est une grande chose que tu demandes. C'est une chose extraordinaire. Mais, pour avoir ça, observe. Regarde. Pendant que je monte, pendant que je serai enlevé, regarde. Contemple. Fixe tes regards sur moi. Pendant que je monte, alors ce que tu as demandé va arriver. Tu vas recevoir cette double portion. Mais pour recevoir ça, tu dois me regarder. Et à côté de la main, Élie savait qu'il y a beaucoup de distractions. Il y avait les enfants des prophètes. Il y avait tous les gens qui disaient ceci à gauche, à droite. Ce n'était pas une chose facile à recevoir. Fixez le regard sur Élie. Bloquez presque le regard.
miso koningisa te etala kaka ye. Pendant que on appelle Élisée ici. Nata onanga ba bengelisa. Regarde ici. Abita lawa. Des distractions à gauche. Kobenga maloko kwa mwasi. Pour recevoir cette grande bénédiction. Ona kozali pamboli monene. Il devait fixer ses regards sur Élie. A sengela ki kotia miso na Élie kolon Elia. Et Élisée restait là en regardant. Élisa tikala ki ona kotala. En regardant. Na kotala. Comment Élie montait. Ngene Elia zaki kombata. Vous appelez Élisée. Regardez ici. Élisée ne regardait pas. La condition pour recevoir cette double portion, c'était de se concentrer sur Élie. Et c'est ce que Dieu demande aujourd'hui. C'est un type de ce qui doit se passer aujourd'hui. Et frère Banam dit dans le message, la robe d'occasion. Il dit, si jamais il y a eu un temps où on a besoin d'une double portion, c'est aujourd'hui. Quelque chose de meilleur. Quelque chose de plus élevé. Je pense que les haricots et les pains de maïs, c'est très bien. Mais je dois tendre la main à quelque chose de plus élevé. C'est ce que nous faisons. L'église doit avoir la vision des choses plus élevées. Nous devons continuer à monter. Israël est rétrogradé. Une double portion. Élie lui dit, ce n'est pas une chose facile que tu demandes. Mais tu vas avoir ça. Parce que tu as des sentiments plus élevés. Aujourd'hui, l'église, elle est là trop bas. Demandant simplement des petites choses. Donnez-moi le voyage pour aller en Europe. Donnez-moi le travail. À manger. À boire. Ce sont des bonnes choses. Mais ce ne sont pas des grandes choses. Jésus a promis que celui qui croit en moi fera des plus grandes œuvres. Et Branham dit, comme ils avançaient, il dit, tu as demandé une grande chose. Néanmoins, si tu me vois partir, tu pourras avoir ce que tu as demandé. Cela exigeait un seul motif. Un seul cœur. Des yeux fixés sur une seule chose. Gardez le regard fixé sur la promesse. Si vous êtes malade, si vous êtes affligé, il y a une seule grande promesse. Si tu peux croire. Et lui, lui donna cette condition. Si tu me vois partir, cela viendra sur toi. Pas quand tu apprendras que je suis parti. Mais si tu me vois pendant que je suis en train de partir. Ainsi tu peux croire. Élie lui a dit, si tu me vois partir, tu obtiendras ce que tu demandes. Vous devez fixer le regard sur cela. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de la foi dans la promesse de Dieu. Notre pensée, notre esprit fixé sur ça. Si tu me vois partir, Élisée garda son regard fixé sur Élie.
Peu importe les cris qui fusaient de tous côtés. Ce qui venait de tous côtés. Ce qui était arrivé avant cela. Élisée ne regardait même pas ce qui était là. Il a gardé son regard fixé sur la parole. Sur Élie. Malgré qu'il y avait beaucoup de distractions. Nous vivons dans l'âge de l'enlèvement. C'est pourquoi, dans le message de l'enlèvement, frère Branham a pris ce passage de psaume 27. Il sait que je demande ardemment. Mon grand désir, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. De contempler sa beauté, de contempler son image, et d'être rassasié, d'être ravi, d'être enlevé. J'aimerais vous dire que l'enlèvement, le vrai enlèvement, ce n'est pas encore le changement de ses corps. Le véritable enlèvement, c'est que ton âme soit d'abord ravie. C'est ton cœur soit emporté. Frère Branham dit, comme Jean dans Apocalypse 4, il a entendu une voix, monte ici. Mata awa. Après l'Odyssée, le ciel fut ouvert. Il a entendu une voix, monte ici. Et Jean était ravi. Branham dit que c'est le type de l'enlèvement. Après l'Odyssée, il y a une église qui va être enlevée. Il y a quelque chose de spirituel qui va se faire. Le ciel va s'ouvrir. Le trône va descendre. Jean va monter. Va être ravi pour voir, contempler cette beauté. C'est ça ce qui doit emporter l'église. Aujourd'hui, il y a la télévision. Il y a l'école. Il y a la mort. Il y a toutes sortes de choses. Mais un chrétien qui va aller dans l'enlèvement pour que le corps soit changé, il faut d'abord que l'intérieur soit changé pour que ce corps soit en paix. Et le corps n'ira même pas. Le corps ne partira même pas. C'est le corps du péché. Il faut que quelque chose de l'intérieur soit d'abord remplacé. Ravi. Dans la parole, dans l'image de Dieu. Un chrétien aujourd'hui qui voit l'apparition du Seigneur, qui voit la venue du Seigneur Jésus, qui voit la parole et qui va rester là pour regarder, pour contempler la beauté de la parole. Il est content de la parole. Il est content de ce que le prophète dit, une femme doit être comme ça. Un jeune homme qui est content de ce que le prophète a dit, on doit marcher comme ça. Si ça ne te plaît pas, tu ne vas pas contempler. Tu ne regarderas même pas. Ça ne t'intéresse pas. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu n'est pas venu chercher une église, mais il est venu chercher des individus qui seront contents de la parole, qui vont contempler la beauté de la parole.
la kitoko ya liloba. Et regardez pendant qu'il regarde. Il est changé à l'image de ce qu'il est en train de regarder. Ah, il est en train d'être changé. Et pour cela, quand il paraîtra, ah, nous le verrons. Je le verrai. Et je serai semblable à lui. Je vais être transformé petit à petit à son image. Ce que vous regardez, vous voyez dans la rue. Ah, si vous êtes attiré par ça, une femme regarde une autre femme. Ta chevelure, ton yango qui toque. Tu as bien tressé tes cheveux. Après avoir dit ça, où est-ce que tu as tressé ça? Elle aussi, comme elle a contemplé, elle a vu, elle a apprécié, elle s'en va pour faire la même chose. Pourquoi une jeune fille va perdre sa virginité, va faire ce qui est mal? C'est parce qu'elle a apprécié ce qu'elle a vu là. Et elle était contente. C'est pourquoi elle veut être comme ça. Si ça ne lui dit rien, c'est pourquoi vous allez voir des filles qui persévèrent. Elle sort de l'université. Elle est vierge. Aucun garçon ne l'a touchée. Aucun garçon ne l'a baisée. Même si elle voit ça, elle n'apprécie pas ça. Elle n'est pas contente de ça. Comme elle n'est pas contente, il n'y a rien qui va la pousser à faire ça. À moins qu'on puisse la violer. Et même si on essaye, il faut la tuer pour en arriver là. Parce qu'elle ne veut pas. Il n'y a rien en elle qui veut ça. Pour que ça vienne, il faut que j'apprécie la chose. Pour que je mange bien la nourriture, il faut que je l'apprécie. Pour que je sois rassasié, il faut que j'apprécie la nourriture. Si je n'apprécie pas, je vais goûter un peu et puis je laisse. Je vais me rassasier de quelque chose que j'apprécie, que j'aime. Et si vous appréciez le message, vous appréciez ce que Branham a dit, vous allez aimer être à l'image de ce message. Vous allez lire le message. Tu seras contente d'être comme ça. Je vous ai dit, quand j'ai lu la première fois le message de William Branham, j'étais jeune de 17 ans. Je ne sais pas, quelque chose avait tellement aimé le message. Et toutefois, ma prière était tous les jours. Seigneur, je veux être comme Branham. Je veux être comme Branham. Je veux marcher comme Branham. Je veux tout faire comme Branham. Je lisais beaucoup le message. Et avec les jeunes gens avec qui on était chez les pentecôtistes, dans la chorale, j'avais tout le temps des brochures. Et ils m'appelaient. Ça, c'est Branham le fils. C'est comme ça qu'on m'appelait. Parce que j'aimais beaucoup lire les messages. Parce que j'appréciais beaucoup les messages. J'aimais être comme Branham. J'aimerais faire les choses comme lui. Parce que je l'appréciais. J'étais rassasié de ce qu'il était. Et c'est ce que doit être le message. Aujourd'hui, une loi, c'est une bonne chose. Mais une loi, hein, c'est parfois quelque chose qu'on est en train d'être obligé de faire.
Dans en toi, tu ne veux pas ça. Mais l'amour, quand tu aimes maintenant la chose, ce n'est plus quelqu'un qui t'oblige. Mais c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est toi-même qui aimes. C'est toi-même qui apprécies. Et tu es rassasié de ça. Et tu veux être comme ça. Ah, j'adore cet homme, j'adore cette vedette-là. Et c'est ce que doit être le message. Et pour vous faire entrer un peu dans le message, hein, pour vous amener dans ce que je veux dire, je vais vous amener dans monsieur, quel est-il? Hein, quand frère Banam devait aller à l'ouest, hein, il y a beaucoup de frères qui ont eu des songes. Et l'un d'eux, c'est le frère Junior Jackson. Il avait un songe particulier que frère Banam parle de temps en temps. Pour vous montrer le temps dans lequel nous vivons. À la page du 7, le prophète va donner le son de Junior Jackson. Il va dire, j'ai eu un songe. Junior Jackson va dire, j'ai écouté. Il a dit, j'ai rêvé qu'il y avait une très grande colline. Et il y avait beaucoup d'herbes. Au sommet de cette colline, il y avait de l'eau qui tombait sur le sol. Et il y avait un rocher le plus haut au sommet de la colline. Le sommet d'une montagne, c'était un rocher. L'eau en coulant avait gravé des sortes d'écrits sur ses pierres. Et Branham, vous étiez là en train d'interpréter ce qui était écrit sur ses pierres. Et voici comment il a raconté. Le frère de Georgie. Ceux d'ailleurs, nous étions tous ensemble. Vous écoutant interpréter cette écriture mystérieuse sur les pierres de cette montagne. Une montagne. Il y avait des pierres à côté. Il y avait des écrits sur ces pierres. Branham interprétait ses écrits. Les frères étaient là nombreux. Et puis Junior Jackson ajouta, vous avez pris ensuite quelque chose qui ressemblait comme à un levier ou à un pied de biche. Bende. Quelque chose comme cela. Et vous avez dit, vous avez frappé le sommet de cette montagne. Vous l'avez coupé tout autour. Vous avez enlevé, soulevé les capuchons. Et le sommet était en forme de pyramide. Vous avez détaché le sommet. Et là-dessus se trouvait de la pierre blanche, du granit. Le soleil ou la lumière n'a jamais brillé là-dessus. Et frère Banam a demandé aux frères, observez ceci. Botala libanga oyo boye. La lumière n'a jamais brillé sur ces rochers. Et les frères, lorsqu'ils se sont tous levés, je leur ai demandé d'observer cela. Et tous sont venus regarder dedans. Mais pendant qu'ils regardaient, Junior regardait du coin de l'œil. Et il m'a vu, je me suis glissé et je me suis dirigé vers l'ouest. Et
Et il dit alors qu'à ce moment-là, alors les frères se sont retournés peu après. Et ils ont dit, a-t-il disparu? Abungi? Où est-il allé? Ake iwapi? Il a dit, certains sont partis dans cette direction. Alobaki boko bakene na ngambo yo boye. D'autres dans celle-là. Basusu na ngambo yo kuna. D'autres dans une autre direction. Basusu na ngambo mosusu. Mais que très peu restèrent pour regarder ce que je leur avais dit. Kasi, bazalaki bobele moke. Oyo batikalaki na kotala oyo na yebisaki bango. La première partie, hein, l'interprétation des écrits sur les pierres. Quand Branham était là, pendant qu'il interprétait, tout le monde était dans l'enthousiasme. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ils étaient là contents pour voir Branham interpréter. Mais ce n'était pas la fin. Hein, il a pris une barre de fer. Et il a frappé le sommet. Il a enlevé les capuchons. Il y avait Ngomba. Une pierre blanche. Tout blanc. Il n'y avait rien d'écrit dessus. Même le soleil n'a jamais frappé là-dessus. Une pierre qui brillait presque. Un rocher blanc. Et Branham dira, est-ce que vous voyez cette pierre-là au sommet? En forme de pyramide. Oui, nous revoyons. Alors restez ici. Regardez cette pierre. Contemplez ces rochers. Mais il n'y a rien d'écrit. On ne voit rien là-dessus. Même s'il n'y a rien, restez là. Regardez. Moi, je vais aller à l'ouest. Dès que je vais aller à l'ouest, je vais rentrer et je viendrai avec l'explication. Pour vous dire, ces rochers blancs où il n'y a rien d'écrit, ça veut dire, restez là, regardez. Et Branham est parti. Pendant que Branham s'en allait, quelques minutes après, alors qu'il n'était plus là, les frères commençaient à se demander, mais on ne voit rien là-bas, on est comprend rien là-bas. Mais où est-ce que Branham? Branham a sali où est-ce qu'il est parti? Les anges, il est parti comme ça. Les autres, il est parti comme ça. Les autres, il est parti comme ça. Alors chacun, selon ce qu'il avait entendu, selon ce qu'il a entendu, l'un s'en va comme ça. Donc, moi, j'ai entendu. Un frère m'a dit, allons comme ça. Non, moi, j'ai entendu. Un frère a dit, qu'il est parti dans ses sens. Non, moi j'ai entendu. Un frère a dit, allons comme ça. Mais l'un dira, mais chacun de vous, un a dit. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Lui-même a dit, restons ici et regardons là-bas. Nous devons avoir un absolu. Nous devons savoir qu'est-ce que nous entendons et qui est-ce que nous entendons. Qui est-ce que nous écoutons? Et l'un est parti comme ça, l'autre est parti, l'autre est parti, et il n'y a qu'un petit nombre qui sont restés pour écouter, observer ce que le prophète a dit. Et certainement que quand il est rentré, il n'a plus trouvé un grand nombre. Il a retrouvé un petit nombre. Frère Branham pouvait dire, mais où sont partis les autres? L'un dira, non, on nous a dit, il est parti là-bas, il est parti là-bas, il est parti là-bas, il est parti là-bas.
biso akenda kibo akenda bo akenda mais ce n'est pas ce que je vous ai dit. C'est yango tende na biso kibo. Moi je vous ai dit restez ici. Na biso kibo botika lawa. Regardez les rochers. Bota la kalibanga. Et ces rochers là. Kalibanga wana. C'est Christ lui-même. Ezali Christ oyé moko. C'est la parole. Ezali liloba. Je suis allé à l'ouest. Akenda kine libolo na tango. Pour recevoir l'interprétation. Bona kozwa ndimbola. La révélation. Emoniseli. De ce mystère. Ya libamba mioyo. Qui n'était pas écrit. Et voilà que je trouve un petit nom. Hein, qui sont là. Dans le septième saut. Frère Branham va maintenant interpréter cette vision. Il va dire qu'est-ce que c'est. Maintenant, dans le septième saut, paragraphe 310. Frère Branham dit. J'étais là et il y a eu cette explosion. J'ai regardé dans cette direction vers l'ouest. Est-ce que vous me suivez? Hein? Ok, merci. Hein, excusez-moi de prendre un peu votre temps. J'ai regardé dans cette direction vers l'ouest. Et ils sont arrivés. Et m'ont simplement emporté là-dedans. Les anges sont venus. Ils m'ont emporté là-dedans, dans cette nuée. Je n'ai plus eu connaissance de rien. C'est lui d'entre eux. C'est lui qui me paraissait être si étrange. Hein, se serait sur ma gauche de l'endroit où je suis entré dans la constellation. Mais si on compte de gauche à droite, ça aurait été le septième ange. Souvenez-vous, le sept messager. Est-ce que vous vous rappelez la pyramide de roc blanc du songe de Junior Jackson? Bozali kokanisa lisusu pyramide ya libanga ya pembe ya liloto ya Junior Jackson. L'assemblée dit amen. L'assemblée dit amen. Vous voyez? Bomoni. Remarquez. Botala. Le soir où je suis parti. Na poko na kendeki. Il y avait six songes. Ezaki na ndoto motoba. Et chacun indiquait la même chose. Pe moko na moko ezaki kotesa likambo motino moko. La vision est venue. Pe mono nele yaki. M'a envoyé à l'ouest. Et tina kinga na limono na tango. Et Junior. Pe Junior. Il observait. Azalai kotala. Regardez comment c'est parfait. Botala ndenge bongi be. J'espère. Aliki. Et je veux croire que vous ici, vous comprenez que j'essaye d'attribuer cette grâce à Jésus-Christ. Paragraphe 318. Maintenant, remarquez. Quand c'est arrivé, Junior était dans un champ où il y avait une grande pyramide. Il y avait quelque chose d'écrit sur les roches. J'étais en train de révéler cela aux gens. Est-ce exact, Junior? Et maintenant, remarquez la chose suivante. J'ai pris un genre de barre de fer. J'ai détaché cela. Et à l'intérieur, c'était du roc blanc. Avec rien d'écrit dessus. Et j'ai commencé à me diriger vers l'ouest. Je l'ai redit à tous. J'ai dit, n'allez pas à l'ouest. Restez ici. Observez cela. Jusqu'à ce que je revienne. Je suis allé à l'ouest. Pour la déflagration. Et je suis revenu ici à l'est. Et le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite. Et c'est le Dieu tout-puissant. Je suis allé à l'ouest. J'ai rencontré les anges.
ils m'ont donné un message pour venir interpréter ces rochers sur lesquels il n'y avait rien d'écrit. Rebana me dit encore, paragraphe 403, toujours la même chose. Il dit maintenant, les troisièmes sont venus de l'ouest. Ils sont venus à une vitesse vertigineuse. Ils m'ont emporté avec eux. C'était de revenir à l'est avec le mystère de ces sept sceaux. C'est ce qui a été dit dans le songe de Junior Jackson. Là, à l'intérieur de cette pyramide, il y avait de la pierre blanche qui n'avait rien décrit de ce. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact avec le message de ces anges. Revenir ici, révéler cela à l'église. Vous vous souvenez que je vous avais dit cela. Frère Branham continue. C'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc qui n'avait rien décrit. Les anges m'ont fait entrer dans la pyramide que même formé les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Et frère Branham a dit, les mystères que ces anges avaient, c'était les mystères de sept tonnerres, les mystères du septième sceau. Parce que le septième sceau, il n'y a rien d'écrit. Les sept tonnerres, on n'a rien dit. Les songes de Junior Jackson, c'était un rocher blanc, rien d'écrit. Il fallait que j'aille, j'entre dans la constellation en forme de pyramide, qu'il me donne le message, l'interprétation de ce qui n'est pas écrit et que j'apporte cela à l'église. Frère Branham continue. Eux, c'était les messagers qui sont venus interpréter cette pyramide, ce message du secret de sept sceaux. Et il a rencontré les anges. Il est entré là-dedans. Qu'est-ce qu'il avait dit aux gens? Il leur a dit, restez ici. Ne me suivez pas. Ne me suivez pas pour aller chercher où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est parti, qu'est-ce qu'il a fait. Ce n'est pas votre affaire. Vous attendez-moi ici. Comme Moïse, quand Dieu est descendu dans la nuée, Dieu a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël qu'il reste là-bas, loin là-bas, qu'il n'approche pas, qu'il reste là-bas, loin là-bas. Et de là, ils entendront le message. Restez ici à l'est, à l'ouest. Regardez. Même si vous ne comprenez pas, regardez seulement. Je m'en vais à l'ouest. Quand j'aurai la révélation, je reviendrai. Mais quand
Quand il est revenu, il a trouvé que peu de gens seulement. Hein, c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Peu de gens seulement vont saisir, vont comprendre ce qui s'est passé dans ces derniers jours. Cette grande visitation, ce qui s'est passé à la montagne, il n'y en aura que très peu qui vont comprendre la chose. Exactement comme Jésus l'a dit, je vous dis que quelques-uns parmi vous ne mourront point qu'ils n'aillent voir le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Pas vous tous, quelques-uns, ils vont voir la chose, ils vont contempler la chose. Beaucoup sont allés à gauche. Il est parti où? Il est parti où? Chacun a suivi sa direction. Tel a dit. Je n'ai pas besoin d'entendre tel a dit. J'ai besoin d'entendre ce que le prophète a dit. C'est ça mon absolu. Un chrétien aujourd'hui, avec tout ce que je vois, avec tout ce que j'entends, tout ce qui se passe dans le monde, un chrétien aujourd'hui qui croit le message, il doit avoir son absolu. Et frère Branham dit que l'absolu, c'est la référence finale. C'est la voie finale. L'un dit ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça. Mais je dois avoir une référence finale. Restez ici. Mais combien sont restés pour moi? Très peu sont restés. Dans le message, c'est tenir dans la brèche. Le Branham dit, ces rochers-là, c'était quoi? Il dit ceci. Dans le message de la brèche. Debout dans la brèche. Il dit. Eh bien, paragraphe 75. Nous découvrons là-dessus. Je vous ai dit que l'interprétation au sujet de ces rochers. Les rochers qui se trouvaient dans les songes du frère. C'est Christ. C'est biblique. Christ qui n'était pas connu pendant les âges. Christ qui n'était jamais compris pendant les âges. Christ caché. Christ scellé. Mais il y avait un prophète qui devait ouvrir. Et que nos regards, nos yeux puissent contempler la beauté de Christ. Christ. La beauté de la parole. Le rocher. Et frère Branham dit, considérez ce que vous avez remarqué dans les sons de Junior Jackson. Il n'y avait rien décrit à l'intérieur de ces rochers. C'est la raison pour laquelle je suis parti pour l'ouest. Dans Monsieur, quel est-il? C'était pour découvrir. Cela était scellé à l'intérieur de cette montagne. Cela n'était pas écrit. Il fallait que ça soit interprété. Et lorsque je suis revenu, le premier soir, le premier ange
Moi, j'ai a ouvert le seau. Et c'était contraire de tout ce que nous avions entendu toute notre vie. Et voilà le message que le prophète nous a apporté. La révélation de Jésus-Christ dans sa plénitude. Le message de l'heure. C'est Jésus lui-même. C'est pourquoi quand nous regardons la photo, vous voyez Christ lui-même. Vous voyez bien son visage. Au temps de Moïse, on a vu le dos. Et quand on voit le dos, ce n'est pas l'image correcte. Quand on voit le dos, on peut confondre avec n'importe qui. Au temps de Jésus, après sa résurrection, il s'est révélé aux apôtres. Ils ont regardé. Jésus a dit, regardez mes pieds, regardez mes mains, regardez ici. Ils ont regardé. Ils se sont arrêtés là. Mais dans ces derniers jours, ce n'est plus le dos, ce n'est plus les mains, c'est le visage, c'est la face. Aujourd'hui, nous contemplons, nous regardons face à face. Ce n'est plus le dos. Comme c'était le dos, Moïse, qui était entré dans la nuée, voilà que son visage brillait. Il devait se voiler le visage. Et comme il a voilé le visage, les enfants d'Israël n'ont jamais eu la révélation de Jésus-Christ. Ils n'ont jamais compris. Parce que Moïse, il voilait. Il voilait Dieu. Dieu était en lui. Et il fallait un voile naturel pour voiler le visage. Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais reconnu Christ. Mais dans ces derniers jours, ce n'est plus un Dieu voilé. C'est un Dieu dévoilé. C'est pourquoi quand il descend, il permet à ce que nous voyons son visage. Je vois Christ face à face. Et quand je le vois, je peux reconnaître que c'est le même Jésus-Christ qui avait marché sur la terre. Je peux comprendre ce que les anges avaient dit. Le même Christ qui monte dans la nuée, il reviendra de la même manière. Aujourd'hui, mes yeux contemplent la beauté de Christ. Même si les gens parlent ici, la télévision à gauche, la radio là-bas, les journaux, la pornographie, il n'y a rien qui m'attire. Quand je regarde, je ne suis pas satisfait. Quand je regarde, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas rassasié. Mais quand je regarde le message, quand je regarde Jésus-Christ, mon âme est satisfaite. Et ça ne s'arrête pas là. Ce que vous regardez, ce que vous contemplez, par une puissance de concentration, vous vous transformez à l'image de ce que vous regardez. Il y a une puissance dans la concentration. Quand vous voulez faire une chose et que vous ne vous concentrez pas, ça sera une chose à l'air. Tu n'arriveras nulle part avec.
Mais quand je me concentre, je mets les choses de côté. Je contemple la beauté. Je regarde, je me concentre sur cette chose-là. La concentration crée une puissance. Et de cette puissance va jaillir quelque chose. Frère Baname dit, dans le Messie, il dit, si aujourd'hui, les gens du monde, regardez, hein, ils connaissent même cette théorie-là de regarder, de se concentrer. Je ne sais pas si ce sont les gens de science, comment je ne sais pas, de science chrétienne ou quoi. Hein. Vous regardez un verre, un homme qui regardait un verre, il se concentre. Il dit, Alobi, le verre doit éclater. Naboe, kopo basana molange sengele panzana. Par l'imagination. Na mabanzo ya pamba. Il se concentre. Atema kanisina nyo soliko na yango. Bam! Mbalamoko kopo na basana molangi e panzani. Branham dit, Branham Alobi, regarde simplement cette foi mentale. Botala kondima oya bongo. De se concentrer, regarder, se concentrer. Motala, yakotia makanisi nyoso, yo mobimba katine loko. Il fait éclater le verre. Et pandi penza kopo esalami na molangi. Branham dit, qu'en est-il de toi, chrétien? Branham alobe sali boni pona yo mo Christo. Si tu peux te concentrer sur la parole, soki okoki kotia makanisi na nyoso, likolo na liloba. Il y aura une puissance qui va jaillir de ça. Il y a quelque chose qui est dans l'église maintenant. Une puissance qui dort et qui va se manifester par la puissance de la concentration. Méditez sur la parole. Non, mais dit, tu médites sur la parole. Tu médites sur la parole. Au point où cette parole devient ta pensée. Branham dit que dès que cette parole devient une partie de ta pensée, prononce la parole. La chose va arriver. Pour créer les écureuils. Branham dit que j'étais à la montagne. J'étais assis là. J'étais en train de lire Marc 11. Pendant que je lisais, j'ai commencé à me demander, mais est-ce que ça, ça peut se faire encore aujourd'hui? Si tu lis à la montagne, ça peut encore arriver aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Branham dit, j'ai commencé à me concentrer sur la parole, sur cette promesse là. Pendant que j'y pensais, j'ai médité, je me suis concentré. C'est concentré. La voix m'a dit, qu'est-ce que tu demandes? Demande ce que tu veux et la chose arrivera. Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu verras cette écriture s'accomplir. J'ai besoin d'écureuils. Combien? J'en ai besoin trois. Alors prononce la parole. Où est-ce que tu veux? Tu veux que ça soit où? Hein, Branham expérimentait quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté avant. Et il dira plus tard, c'est pour la toute première fois que cette écriture écriture-là s'accomplisse à un être humain. C'est pour la toute première fois qu'après Jésus, cette écriture puisse s'accomplir. Dites la parole. Prononce la parole. Parce que il avait concentré sa parole, sa pensée, je veux dire, sur la parole de Dieu.
sur l'écriture. Aujourd'hui, pourquoi l'église est sans puissance? Pourquoi les croyants ne vont nulle part? Parce que nous pensons que ça c'est un journal. C'est une information. On est en train de lire. Et puis on abandonne. Hein? On pense que le message, ce n'est que pour venir. Priez pour moi pour la guérison des maladies. Priez pour moi. Ce n'est pas ça. Dieu veut rétablir la puissance dans l'individu. Pas seulement dans le pasteur. Mais en toi, là où tu es. Christ est venu. Tu le contemples. Tu le regardes. Combien il est beau. Comment il est puissant. Des choses qu'il peut faire. Des promesses qu'il a données. Je contemple. Je crois. J'aime. Et je me rassasie de ça. Pas juste lire. Je me rassasie de ce que j'entends. Et quand ça descend en moi, quand je suis rassasié, j'ai beaucoup de force pour faire une certaine chose. Et quand tu as maintenant la force, tu vas prononcer la parole. Et ça va changer ta vie. Je lis le message. J'entre dans la pensée du message. Tellement ce que Branham me dit, je précise ça. J'apprécie ce qu'il dit concernant le jeûne. Oh Dieu! J'aimerais que ce que Branham a dit ici concernant le jeûne, ça puisse s'accomplir. Moi. J'aimerais être comme ce genre de garçons. J'aimerais être ce genre de filles dont Branham parle ici. J'aimerais être ce genre de chrétiens dont il parle ici. Ça, tu entres dans l'esprit. Tu es ravi. Tu entres là-dedans. Et ça vous change. Ça vous transforme. Il faut vous demander encore une fois. L'habillement des femmes aujourd'hui. Demandez aux femmes. L'habillement, ça vient d'où? Et ailleurs. Ça. Mais comment ça doit venir de là? Ça vient d'où? Oh, la coiffure, on tire les cheveux comme ça, on tire là-bas, on tire là-bas. On ne cherche même pas à savoir d'où ça vient. L'origine, c'est quoi? Je dois savoir dans chaque chose que je fais quel est l'esprit qui est derrière cette chose. Je dois savoir en tant que chrétien qu'est-ce que je suis en train de faire. Ce n'est plus l'ange où on fait les choses dans l'ignorance. Branham me dit comme les seaux sont ouverts, l'esprit de Dieu peut conduire chaque croyant dans toute la vérité. Vous n'avez pas droit à faire des choses comme ça en l'air. Vous devez faire des choses comme chrétien. Je regarde dans la Bible, c'est écrit et je vais dedans. La parole qui change mes habitudes. La parole qui change les coutumes. La parole qui change les traditions. La parole qui change ma façon de parler. La parole qui change ma façon de m'habiller. Ça, c'est la puissance de la parole. C'est la puissance
puissance vivifiante. Jésus était mort dans le tombeau. Mais l'ange est descendu. Quand l'ange est descendu, il enlève la pierre. Il descend. Il entre. Il vivifie. Il change l'aspect de ce corps-là. Ce corps qui était mort, ça commence à marcher. Ça change. Ça a transformé. Et aujourd'hui, le message que nous avons reçu, c'est la puissance vivifiante. C'est la puissance qui change. Comment vous attendez que ça va changer votre corps pendant que vos mentalités, c'est comme au village. Hein? Comment vous savez changer le corps? Pendant que votre façon d'agir, c'est comme les païens. Comment vous allez, Dieu va changer le corps? La chose, l'homme n'a pas commencé avec le corps. L'homme a commencé avec l'intérieur. Le premier homme, il est l'homme intérieur. Ça, ce n'est que l'enveloppe. Le vrai vous, c'est toi qui parles. Toi qui agis là. C'est ça le vrai vous. Et le vrai vous, c'est à l'intérieur. Et il faut que la parole entre à l'intérieur. Ça change mon esprit. Un esprit nouveau. Ça change mon cœur. Ça change l'intérieur. Quand ça change l'intérieur, le corps va entrer dans le cycle. Le corps n'entrera pas si l'intérieur est d'abord mondain. C'est pourquoi Frère Branham dit, le message de l'or, c'est pour changer l'intérieur. Il faut que la mentalité, il faut que mes habitudes, pendant que je contemple le message, lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Vous allez voir, avant, il parle de Moïse. Et verset 16. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, biso banso, dont les visages découverts wapi bilongi bizipwami, reflètent la gloire du Seigneur. Tozali kotali sankembo nankolo. Nous sommes transformés en la même image. Tobongwani ne lilingi moko wana. De gloire en gloire. Kolongwa nankembo koke nankembo mosusu. Par l'Esprit du Seigneur. Nanzaya molimo nankolo. Hein, reflétant la gloire du Seigneur. Kotali sankembo nankolo. Mais si vous avez la Bible d'Arbi. Naboso bozana Bible d'Arbi. Hein, nous tous les visages, hein, qui a la Bible d'Arbi ici? Non, ça, Bible d'Arbi, ah ouais. Hein, nous contemplons. Nous contemplons la gloire du Seigneur. Behold, nous contemplons, nous regardons la gloire du Seigneur. Sans voile. Parce que le voile qui couvrait la parole, le sceau qui voit la parole,
On regardait la parole. Ils ne voyaient pas. C'est comme ça qu'ils ne pouvaient pas être à l'image de la parole. Parce qu'ils ne voyaient pas la parole. Christ était voilé. Mais dans ces derniers jours, Dieu enlève les voiles. Maintenant, vous pouvez voir la parole. Si toi-même tu n'as pas le voile de tradition, tu vas regarder la parole. Et pendant que tu regardes la parole, vous contemplez la gloire. Pendant que vous contemplez la gloire, vous êtes transformé de gloire en gloire dans l'esprit à l'intérieur, et on verra ça à l'extérieur. Un croyant, si dans l'église on prêche la parole, et si vos visages ne sont pas voilés, parce qu'on peut vous montrer la parole. Branham me dit que c'est Christ. Les gens regardent avec le voile. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Mais parce que tu as un voile de tradition. Mais si tu enlèves le voile, parce que Dieu maintenant il est dévoilé. Branham a prêché. Dieu dévoilé. Il est là devant vous. Il est en train de confirmer les promesses de l'heure. Et pendant que vous regardez, pendant que vous écoutez, on doit voir dans la vie des chrétiens un changement qui s'opère à l'image de la parole. Une jeune fille qui contemple le message avec beauté, avec joie, elle aime le message, elle aime la parole. Elle dira comme Marie: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ma coiffure comme la parole, mon habillement comme la parole. J'aimerais que ma chevelure repousse. J'aimerais que quand on me regarde, on voit le message de l'heure, qu'on puisse dire: ça, c'est une fille branhamiste. Il y a trois jeunes filles qu'on m'a montré il y a, je sais pas, le samedi passé. Les parents les avaient amenés pour, je ne sais pas, un anniversaire quelque part en ville. De très longs cheveux, bouclés, arrangés bien là-bas, comme des petits anges. Des belles robes. Elles sont sorties de, je sais pas, du restaurant. Tout le monde en train de regarder. D'où viennent-elles? Les jeunes filles en train de suivre derrière. Bilenge basi kolanda kana sima. Elles viennent d'où? Ba uti wapi ba oyo? Ça, ce sont des êtres angéliques. Oyo penza bazali banje. Et on m'a dit, il y en a, je ne sais pas, une femme qui disait: ah, ça, ils doivent venir de Shekina là-bas. Longue robe. Bilamba milai. La chevelure là. Suki na bango milai. Naturel. Ndenge babotama. Quand on regarde ça, tango bato batali yango. Il prend le message. Bakamati sango na tango. Le message et la fille deviennent un. Branham dit: le message et les messagers sont un. Branham alobi sangona tango na motinda mina yango bazali moko. Aujourd'hui, le message et les croyants doivent devenir un. Lelo sangona tango na bandimina yango
Ça ne va pas devenir une loi. Hein, comme je vous ai lu l'autre jour, c'est des jeunes filles là qui étaient au Branham Tabernacle. On lui dit, mais ton pasteur, voilà ce qu'il a dit. La jeune fille dit non, ce n'est pas mon pasteur, c'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur qui m'a dit ça. Elle a aimé ça. Alinga ki yango. Ça devient sa propriété. Et komi eloko na yango. Ça devient mon absolu. Et komi longo na ngai. Même si je quitte le Congo. Ata soki na longo Congo. Même si je suis en Belgique. Ata soki na Zambie. Même si je suis dans les îles. Ata soki na Zambie. Même si je suis seul quelque part. Ata nasai pa imoko ngai moko. Ça ne me quittera pas. Et koti kangai te. Ça devient une partie de moi-même. Et komi te. Mais quand il y faut toujours, tu sors là-bas. Allez, chez les coiffeurs. Ok, entre temps, Banda connaît en train, tu es en train de regarder. Hein, tu es en train de regarder. Dès que tu vois les pasteurs, comment tu peux. Tu es un hypocrite. Ozali moko sito moto bilongi mi balé. L'hypocrisie. Wana ezali penza bilongi mi balé. Et même si tu laisses la chevelure comme ça pour plaire au pasteur. Ata soki otiki suki malamu boye pona ko sepelisa moko. Ça ne vaut rien. Ezali na tina te. Ça doit être ma révélation à moi. Esengeli ko zali moni seli na nga moko. Ça doit être quelque chose. Esengeli ko zali moko. La parole qui m'a changé. Lilo bao e bongolingai. Je rencontre parfois des pasteurs. En Afrique du Sud. Moi, j'ai acheté une grande maison. Pasteur. Tu te trompes. Vous allez comme ça. Tous ces croyants-là, un jour, Bandiminyo soana mokolomoko. Ils vont t'abandonner. Bako sundola yo. C'est ton argent. Les amis solo na yo. Oui. Moi j'achète mes maisons, j'achète. Na somba wanda kuna ngai na somba ka. Je suis là, je prêche les jours où ça va barder. Na sali wana na teyaka. Mokolo oye koinda na kimi na ngai. J'ai mes maisons. Na somba wanda kuna ngai. J'ai dit oui. Na bi iyo. C'est bon. Ezali malamu. Et ce n'est pas la révélation que j'ai. Kasi yango ezali moni selo ngai na sana yango te. Je n'ai pas toutes ces affaires-là parce que j'ai craint, j'ai peur, les jours où ils vont. Non, ça n'a rien à faire. C'est ma vie. C'est la révélation que j'ai. J'ai regardé mon Jésus. J'ai regardé mon prophète. J'aimerais par la grâce de Dieu, autant que je le peux, m'approcher. Ce n'est pas une loi. Si tu veux le faire, allez-y, il n'y a personne qui va te condamner pour le faire. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu doit faire. Dans ce temps de la fin. Un temps de grande confusion. Un temps de gens qui parlent ici et là. Comme je vous ai dit, même déjà au sujet de la nuit, regardez ce qui est en train de se passer. Hein, c'est aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde. Hein, dans le message. Si quelqu'un n'a pas un absolu aujourd'hui, et à l'allure où vont les choses, dans 5 ans, les gens vont abandonner le message. Hein, je n'ai pas le temps encore d'aller trop loin avec vous. Hein, je vous ai parlé de la vision de l'épouse. Hein, si vous lisez dans et tu ne le sais pas, Frère Branham parle d'un autre son de Junior Jackson. Il a vu un autre songe. Et je suis très heureux que tous ces songes, j'en ai déjà parlé
Plusieurs fois Rigini dans des grands enseignements. Les anges de Junior Jackson. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et de voir ce qui est en train de se passer. Je vois ce qui est en train de se passer. Et Junior Jackson, un autre songe qu'il va voir. Il dit, j'étais vu frère Branham. Tu étais sur un grand cheval. Tu avais l'allure d'un grand chef militaire. Et tu étais sur un grand cheval blanc. Et pendant que tu parlais, tu allais vers l'ouest. Et tu criais, je parcourrai encore ces chemins. Et tu allais et puis j'étais vu revenir. Tu parlais et la terre tremblait. Tu étais comme une grande autorité. Et tu es venu vers moi. Et quand tu es venu, après, tu m'as dit, suis-moi. Et quand tu es reparti, j'ai vu un petit cheval blanc qui est venu. Et je suis monté. Pendant que j'étais là, j'ai fait un petit voyage. Et après, ma femme m'a appelé. Quand je suis rentré, pendant que ma femme me parlait, je suis descendu du cheval pour parler à ma femme. Alors que j'ai parlé à ma femme, le cheval ne m'a pas attendu. Le cheval est parti. Je suis resté là en regardant le cheval qui s'en allait. C'était le songe, la distraction aujourd'hui. Un cheval, la parole vient pour chevaucher la parole. Mais au lieu de rester là dans la parole, tu descends. Parce que ma femme, parce que mon frère, et tu commences à parler, le cheval il est parti. Et aujourd'hui, Junior Jackson, il ne croit plus. Il ne croit plus toutes les choses qu'il croyait avant. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais il y a quelques années, il ne croit plus. Et pourquoi? Parce que c'est un temps aujourd'hui. On doit être nos yeux fixés sur la parole. Que ça soit ton absolu. Sur ce qui est en train de se passer. Ce qui arrive, c'est que les gens sont en train de parler. Et enfin, pour terminer, toujours en ce qui concerne cette vérité, que nous devons faire attention, nos yeux braqués, fixés sur la parole. Des voix qui s'élèvent ici et là. Vous ne savez plus quoi suivre. Je vous avais dit concernant cette nuée. J'avais entendu un pasteur aux États-Unis. C'est un pasteur dans le message. Azali pasteur Mokati na sango na tango. Et il parlait à son église. Azala ki koloba to kote ya losambo na ye. Concernant cette nuée. Na o etali lipata oyo. C'est pourquoi je vous invite à prenez cette petite brochure et lisez. Bokamata brochure mo cœur et sangisami maloba ya mosakoli botanga. Lisez. Botanga. Lisez. Botanga. Qui ont déjà ça? Banani basili ko soyango. Et
Ça ne coûte que 1000 francs. Et ça n'a pas de francs cotomoko. Quand vous allez calculer l'argent que vous dépensez pour le téléphone, Tango, okotala mosolo bimisaka pona téléphone na yo, qui ne vous donne rien du tout. Oye pesaka yo elo kote. Tu vas voir que tu auras dépensé 5 ou 10 fois le prix de cette petite brosse. Okomonete oyo bimisi na téléphone ezali mba mitano tomba la zomi ko le katalo ya brochure oyo. Parfois, comme Frère Banam a parlé d'une vision, on a donné beaucoup de nourriture aux gens. Ils n'avaient pas intéressé, ils n'étaient pas intéressés pour manger. Vous allez aimer ici que le pasteur parle. Branamadi. Vous-même aujourd'hui, dans ce troisième point, ce n'est plus la foi du pasteur. C'est votre propre foi. Chacun doit avoir la révélation. Moi, je suis convaincu de ce que Dieu m'a donné de ce que je crois. Je suis convaincu. Il y a, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier. J'ai vu un pasteur d'une dénomination donc, qui m'a appelé au téléphone. Yokaki pasteur moko ya ebongiseli moko to etonga moko mabonde ya benganga na téléphone. Je ne le connais pas. Na yebi ete. Il dit pasteur, voilà, j'ai trois messages que Dieu m'a donné. Abi pasteur tala nazana sango misatu o nzamba pesingai. Je voulais que de venir pour vous en parler. Na ningai koya koyebisa o yango. Je dis bon, dites-moi d'abord le message c'est quoi? Abi yebisangai nano sango yango ezali nini? Et comme dans le téléphone, il n'y avait pas de crédit, j'ai attendu, j'ai acheté un peu de crédit. Le quoi, dans le téléphone, unité, ça l'a quitté, dans son baki unité. Et je l'ai appelé. Pe, na benga kiye. Et comme j'étais ici, le quoi, dans la kiawa, j'avais voulu que je ne sois pas le seul à entendre. La linga kete, na za langa imo kote moto akoyoka yango. Il y avait le frère Théo. Ndeko Théo azalaki. Et le frère Tomatala, Pendeko Tomatala, qui était là, Bazalaki wana. J'ai dit bon, je ne sais pas ce qu'est le message. Nabi na ebite sangonini toli yebisini na linkope sangai, que nous tous nous puissions entendre. Na lobibi sonyoso toyoka yango. Et je l'ai appelé, il a commencé à parler. Pe na benga ki abandi koloba. Dit que je suis pasteur dans l'un des groupes. Un groupe ici. Abina Sali, pasteur, Katina Moko Nabitonga Awa. J'étais en train de prier pour notre église. Nazalaki Kobonde Lapona Losambo Nabiso. J'ai demandé à Dieu de me donner un signe. Nazalaki Kosenga Nzamba Pesangaye Lembo. Pour me montrer si vraiment ce que nous faisons c'est juste, si vraiment c'est correct. Pona Ko Laki Sangai Soki Solo Otozali Kosala et Longo Bani Zali Malam. Il dit, j'ai prié pour ça. La bonne là qui pone yango. Et puis je vais voir dans les songes. Et na kolota na ndoto. Dieu va me montrer. Nzamba kola kisangai. Que nous étions quelque part. Et te tozala ke pa imoko. Et je vais te voir. Toi dioka avec un grand groupe de gens. Et na kumona yo dioka ne bele na bato. Un grand groupe. Ne tonga monene na bato. Et moi aussi, j'étais avec mon groupe. Et puis, je vais voir quelqu'un habillé en blanc qui vient et qui me dit, tu veux savoir si là où vous êtes, c'est vrai. Regarde là-bas.
Et là où tu étais, c'est comme si les gens étaient en train de monter dans l'enlèvement. Et cet ange va me dire, mais allez là-bas. Si tu veux être dans le vrai, allez là-bas. Si tu restes ici, c'est ton problème. Il dit, j'avais vu ça l'année passée. Et après cette année, Dieu m'a montré encore la même chose. Je lui demande, il va encore me montrer un toit d'Ioka et une troisième fois. C'est pourquoi je ne pouvais plus rester tranquille. C'est pourquoi je t'ai appelé. Pour te dire que j'ai pensé que j'étais dans le vrai, nous étions dans le vrai. Mais Dieu m'a convaincu de te voir. J'ai dit, bon, ok, merci, frère. Je ne t'ai jamais vu. Si ce que Dieu t'a montré, c'est la vérité, alors fais ce qu'on t'a dit là. Même s'il ne me dit pas ça, je sais dans mon cœur que par la grâce de Dieu, j'ai une petite portion quelque part. Nazali, na moi eteni moko ya libula epai moko. J'ai un absolu dans le message. Nazali na longo kati na sango na tango. Je n'ai pas besoin d'entendre, même si c'est bon, mais j'ai un absolu là. Nazana bosenga te akoyoka ate zali malamu. Kasi ngai nazali na longo wana. Nous vivons dans ces temps-là. Lui peut venir me dire aujourd'hui que Dieu m'a montré que tu es dans le vrai. Demain, quelqu'un d'autre peut venir. Dieu m'a dit que réellement, toi, tu es du diable. Je ne vais pas sauter. Demain, je ne veux pas pleurer. Je sais où je me tiens. Un absolu. Ce pasteur, il parlait. Pasteur, et il va un pasteur dans le message. Pasteur, moko aux États-Unis, na sango na tango. Il va montrer. Frère Branham dit qu'il a été enlevé au milieu. Dans cette grande constellation. Il dit, frère Branham était absolument dans l'erreur. La nuée est apparue avant que frère Branham aille à la montagne. Et comment il peut dire qu'il était là? Hein? Parce que c'était à la montagne huit jours avant qu'il ne soit là. C'est pourquoi. Et aussi plus tard, on nous dira que la nuée est apparue à cause d'une roquette. Comment lui peut dire que non, ça a été formé par le sang? C'est un croyant du message. Azali mondimi ya sango na tango. Il dit, c'est pourquoi moi je n'ai pas
Hein? Je n'ai pas de photos, ces photos-là, dans mon église. Depuis longtemps, je n'ai jamais mis ça. Alobi yango na ngai kati na losambo na ngai uta tango uta kala na na tiaba ba photo wana na losambo na ngai te. Et il va parler de quelqu'un où est-ce qu'il avait tiré hein, cette pensée. Pe akolbanti na moto moko pa yazwa ki makanisi wana makambo uti koloba. Il va montrer qu'il y a quelques années, il y avait un frère qui avait mis hein, dans son magazine. À côté, il s'est lequi moi mibunde comment quoi tu as qui cati dans magazine il naie que voilà frère Branham n'était pas là. Et te botan de ko Branham asala qui kunate n'était pas là. Asala qui kunate et moi aussi. Pe ngaipe. Ah, je ne crois pas frère Branham. Je crois qu'il était dans l'erreur. Raboye ne ko ana lobi te ngaipe. Nazali kondimate pona moni etende ko Branham asala ki kati na libunga. Vous pouvez penser que ce sont des petites choses. Boko ki ko kanisa ete zali biloko moko mike mike. Mais je suis en train de parler, ce que vous entendez, ça peut influencer votre vie. Kasi nazali kati na kolobete makambo bozali koyoka e koki ko benda bomboi na bino na lolenge to na ngambo moko boye. J'ai ici à peu près 10 pages. Nazali pene na kasa zomi awa d'un pasteur de dénomination. Ya pasteur moko ya bibongiseli. Pasteur Rekart. Pasteur Rekart. Hein? Il a fait toutes sortes de critiques. A lobi makambo matongi ya ndenge na ndenge au sujet de ce que frère Branham a dit concernant la nuée. Na tina na onde ko Branham alobaki na tina na lipata. Pour montrer que c'est faux, que Branham n'était pas là, hein? Et que c'est autre chose, ce sont des roquettes, c'est toutes sortes de choses. Il y a d'autres frères qui étaient dans le message, qui ont quitté, il y en avait qui étaient au Branham Tabernacle. Oyo ba pengwa ba susu bazala ki kati na Branham Tabernacle. Hein, ils écrivent dans des sites. Bazali ko koma kati na ba site ya ba internet. Hein, pour montrer. On a ko tali ça. Regarde ce que Branham est en train de dire. Botala o Branham azali koloba. Comment il pouvait dire? Nenge ni na kokaki koloba. Hein, qu'il s'était né là était azala ki wana sous cette nuée, la scène à l'ipata, en dessous de cette nuée, la scène à l'ipata, oyo, qui apparut 8 jours après. Oyo, emonana ki mikolo mwambe sima. Comment il peut dire ça? Ndenge nini akoki koloba bongo? J'ai tout ça avec moi ici. Nazana nyoso ane longo na ngai awa. Comment il pouvait dire ça? Ndenge nini akokai koloba bongo? Certaines personnes boko bato disent que William Branham, bazali kolobete William Branham, Les anges l'ont visité une semaine, c'était une semaine avant qu'il ne soit là. Ben je vais qui côté là et poste mon goli bosson avec aucun de kuna. Comment cela peut paraître quelque chose de vrai? N'engani ni angwe koki komo na nelo komo ko ya solo. Pendant que lui il dit que il était là. Nathan oya zali kolobe tasala ki wana. Certaines personnes qui sont dans les messages disent non, c'est 8 jours après. Et pour dire si votre pasteur est en train de vous dire des choses comme ça, est-ce que vous pouvez continuer à le croire? Non. Si votre pasteur vous raconte une chose qui n'est pas vérifié, qui n'est pas vrai, est-ce que vous pouvez encore continuer à le croire? Ce qui passe na bino azali ko bisa bino makambo oyo boyebi te te zali solo boko ki kokoba kondima ye le visage elongi. Branham dit non, le visage là c'est le visage de Jésus. Branham avait elongi wana zali elongi ya Yesu. Mais c'est faux. Motongo lo bese lo kuta. Et pour continuer, Branham c'est un menteur. Et j'aimerais vous dire que toutes ces choses-là, ce sont des voix qui se font entendre tout autour de nous.
Même si c'est aux États-Unis. Peut-être que ça a déjà tombé dans vos oreilles. C'est peut-être que tu as déjà entendu parler. Mais en écoutant toutes ces voix-là, toi, si tu as un absolu, tu vas dire, lui a dit, mais qu'est-ce que Branham a dit? Branham a lobi nini. Qu'est-ce que lui a dit? Eloko nini Branham a lobi. Les choses qui se passent. Matambo ezali ko salama. Branham, Branham, les gens vont prendre la photo. Batoba okamata photo. Lui, il va voir la photo. Batomo susu bakangi photo. Lui, oui, OK. Batomo susu bakangi photo ye amoni yango. Il regarde. Un prophète. Mosakoli. Comme Branham. Lokola Branham. Confirmé par Dieu. Oyo atatola mina nzambe. Il regarde la photo. Atali photo oyo. Et il dit. Pe alobi. Cette photo-là. Photo ana. J'étais là. Nazala ki wana. Quand ça a été photographié. Tango bakanga ki photo yango. On m'a emporté. Ba me ma kingai. Il dit que ce jour-là, j'étais là. Mais croyez d'abord. C'est un absolu pour moi. Je m'arrête là. Je n'ai pas à croire à un homme plus qu'à croire à ce que le prophète a dit. Aujourd'hui, les gens regardent ça à la légère. Mais un de ces jours, ça va commencer petit à petit. Un jour, tu vas dire que Branham était menteur. Juste pour terminer, je vais vous lire quelques références. Quand je lisais ce livre, ça a été le frère de la voix de Dieu, le spoken word, dans le temps. Ba mokando ba koma ki on a bande ko ya spoken word liboso na ngwe koma la voix de Dieu. C'est un grand livre, footprints, c'est sur les empreintes de pas. Ezali mokanda monene o ezali ko ba likolo na bilembo na matambe. Je ne sais pas si il continue à imprimer ça. Ba ebite so ki ba koba ka ko bimisa yango. Et en mille, ils ont mis tous les messages ici. Naboye Batie mate ya nyoso ya mosakoli awa. L'index, ils ont mis ça dedans. Mokanda kotali sa mate ya nyoso ne mosakoli ateya. Et je regarde en 1963. Pe natena mobuya koto oko kama libwa na tuku motoba na misato. Le 27 janvier 63. Mokwa tuku mbaya na sambo sanza liboso mobwa tuku motoba na misato. Frère Branham a prêché l'absolu. Le 27 février. Mokola tukumi balé na sambo. Sanza ami balé. Na mobu ya tukumotoba na misato. J'ai dit le 27 février à Tucson en Arizona. Na lobi mokola tukumi balé na sambo. Sanza ami balé na Tucson en Arizona. Il a prêché la porte dans une porte. Ateyaki. Ekuke katine ekuke moko. Le 28 février, Mokola tukumba na muambe sanza mi balé. Il dit à la montagne du soleil en Arizona, rencontre avec les anges. Bakomi na likolo na ngomba ya Arizona na kokuta na banje likolo na ngomba ya kolala na mwese. Le 27 février, il a prêché la une porte dans la porte. Mokola tukumba na sambo sanza mbale mobu ya tukumba toba misato ateyaki ekuke katina ekuke
on regarde l'index qu'ils ont fait plus tard. Totali sikoyo ndenge babimisi matin na mosakoli simana mibu. Ce n'était pas mon sujet aujourd'hui. Et ça l'a quitté l'ikamonanga. Un jour, je vais vous le démontrer. Mokolomoko na kotali sabino yango. Aujourd'hui, la porte dans une porte, on a changé la date, c'est le 23 janvier, le 23 février. Lelo, ekuke katine kuke, balongoli mokolo ana batie mokolo ya mokolo tout mais na misato sans ami balé. Auparavant, c'était le 27 février. Liboso zaki mokolo ya tout mais na sambo sans ami balé. Après, la sima. Non, c'était le 23 février. Te ezalaki mokolo tout mais na misato sans ami balé. Pour vous montrer que on a collé Sabino était à un moment donné ils ont mis c'était le 27. Na moi tant au moko batia que ça est moko tout mais na sambo sans ami balé. Quelque temps plus tard non, c'est le 23. Si mana moi tant au babité ezali moko tout mais na misato sans ami balé. Et quand nous traduisons pe tant au tozai ko limbola. Nous voyons que avec l'index tozali comment on a été ndenge ba komi maté elandani. Il y a de temps en temps des changements de dates, des changements même des lieux et même des changements de titres du message. Tozali komona tango na tango mbongwana ya mokolo ata mbongwana ya esika lite temaki ata mbongwana ya moto ya liteya. Nous voyons des changements de textes. Tozali komona ndenge likambo te ya maki ndenge ekomanda bimisi na mikanda mbongwana pe ya maloba. Nous avons découvert, nous avons trouvé une bande plus complète. To komi na kozwa bando ezali mobimba. Et voilà, nous vous donnons ce que nous venons de découvrir. Pe botala tozali kopesa bino oyo to uti komona sikoyo. C'est-à-dire qu'au fil du temps, ça change parfois. Et lingi kolobete koleka tango ezali kokende tango mosusu ezali kobongwana. Ça c'est une chose. Wana ezali kambo moko. Donc avant que vous puissiez mettre le prophète sur par des jugements, nabo eliboso na bino komema mosakoli ne sambiseli. Regardez tous ces aspects. Botala makambo nyonso yo. Juste deux ou trois passages. Lisons un peu dans Matthieu 17. Totanga moke na matai mokapazo mena sambo. Lisez le premier verset. Botanga likomi ya liboso. Même 16:27. Ata mokapazo mena motoba eteni atuku mena sambo. Lisons 16:27. Totanga mokapo ya zomi na motoba ya matai eteni atuku mena sambo. Ok. Allons dans Marc 9. Toke nena malako mokapo ya libwa. Mokapo ya mwambe eteni atuku misato na mwambe ya malako. Ok. 2:9-2. Mokapo ya libwa eteni ya mibale. Six jours après.
Luc 9. Luca Mokapo Yalibwa. Verset 26. Eteni ya tukumbale na motoba. Luca Mokapo Yalibwa eteni ya tukumbale na motoba. Quand vous serez à la maison, prenez d'abord ces trois passages. Vous allez voir que la formulation de la phrase n'est pas la même partout. Mais surtout, allons maintenant verset 29-28. 9-28. Environ combien de jours? Mikoloboni. Hein? Revenez dans Matthieu 17, 1. Bozo nga matai mokapoazo mena sambweteni aliboso. C'est écrit quoi? Et comment minini? Ici 6 jours. Ah, Mokolo Motoba. Là-bas, 8 jours. Awa, Mikolo Mwambe. Qui va dire que la Bible elle est fausse? Nani akolobete, Biblia, Ezaël Okuta. Qui va dire ça? Nani akoloba yango. 6 jours après. Simana Mikolo Motoba. 8 jours après. Simana Mikolo Mwambe. Vous allez chercher à dire non, non, Pierre a menti ou c'est qui a menti? Et je vais vous donner quelques passages que quand vous irez à la maison, vous allez voir comment pour un même événement, un même événement, parfois, les chiffres ici sont tout à fait différents. Vous allez accuser qui? Et ça change quoi à l'événement? Ça ne change rien. Que ça soit ici 6 jours. Que Luc dise 8 jours après. Qu'est-ce que ça a changé à l'événement lui-même? Tu vas dire non, non, ici. Ici. Awa. On a encore affaire aux apôtres. Hein, les apôtres. Bantoma. Mais aujourd'hui, Kasilelo. Vous n'allez même pas écouter un apôtre. Vous allez juste entendre quelqu'un qui n'a même pas été là quand la chose était arrivée. Qui ne connaît même rien. Il va simplement souffler quelque chose dans un journal. Et vous allez mettre tout en cause. Non, aujourd'hui, les gens racontent le 28 février. Le 28 février, c'est faux. Mais le 28 février, c'est faux. Hein, c'est faux. Mais quand vous devez situer l'événement dans le temps, vous allez voir que ça s'est passé ces jours-là. Donc, c'est simplement pour vous dire, mes amis. Nous sommes en train d'entrer dans une période où si un chrétien n'a pas un absolu, Christ
Il n'a pas un absolu. Il ne tourne pas ce regard uniquement vers Christ, la parole. Vous ne saurez pas où vous allez. Vous allez être embarqué par n'importe quoi. Vous devez avoir un absolu. Et j'ai un absolu. C'est le message de l'heure. Je contemple le message. Je contemple Christ. Naturellement. Et je le contemple aussi dans sa parole. Au fur et à mesure que je contemple la parole, je vais voir ma vie être transformée par cette même parole. Parce que quelqu'un va vous parler, il va vous enlever toute la crédibilité que vous avez dans ce message. Et quand vous n'avez plus confiance dans ce message, ce message ne fera plus rien pour vous. Dieu nous a fait grâce en nous envoyant un prophète, un prophète et parole, un prophète qui a été confirmé par Dieu lui-même par les miracles. Frère Branham dit, dans les temps, la science et la parole ne pouvaient pas marcher ensemble. Mais aujourd'hui, la science est en train de confirmer que Dieu, il est réel. Dieu, il est présent. Dieu, il y vit. Et c'est ça ce que la science a fait aujourd'hui. Ils ont pris la photo, hein, comme je l'ai dit l'autre jour, la photo de frère Branham. Quand cette photo a été prise, Branham était en train de prêcher. Cette photo, cette colonne de feu, n'était, on n'a pas vu ça quand on était en train de prendre la photo. On a pris juste la photo. Cette colonne de feu est apparue quand on a développé les négatifs. Et quand on est allé pour demander, mais c'est quoi? Pour voir est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Les gens de la science ont examiné pour montrer, confirmer que cette présence surnaturelle a frappé le négatif. C'est que cette colonne de feu était là. Or Branham disait toujours, l'ange du Seigneur est avec moi. L'ange du Seigneur, il est ici. Quand il le disait, les gens ne le voyaient pas. Mais un jour, Dieu a permis que la science puisse montrer ce que l'œil ne voyait pas. Et ça s'est passé le 25 janvier 1950. Je suis allé à la maison du Congrès à Washington. Je suis entré là-dedans pour aller vérifier. Et j'ai trouvé cette photo dans la maison du Congrès. Et ils ont mis ça comme la confirmation d'une présence surnaturelle. Si le monde peut dire que c'est la vérité, pour confirmer que ce prophète vient réellement de Dieu. Branham n'a jamais parlé de cette date. Mais si on vous pose la question, c'est apparu quand? Hein, tu diras, c'était le 25 janvier 1950. Hein, aujourd'hui, nous avons un message. Nous avons un absolu.
absolu. Je suis heureux de me tenir ici. De savoir que je ne parle pas de fables. Mais je parle de quelque chose que Dieu a confirmé dans cet art. Et que je soutiendrai. C'est mon absolu. Même si je dois marcher seul, je marcherai seul avec ça. Parce que je sais que c'est la vérité. Et quand je peux voir toutes sortes de déclarations qu'il a parlé ici, il a dit aux frères, restez ici, regardez ces rochers. Je vous invite cet après-midi que nous aussi, dans cet âge si mauvais, de pouvoir tourner nos regards vers Christ. La parole qui a été manifestée dans ces derniers jours. Que nous puissions aimer le message. J'aimerais vous dire que les doutes qui s'églissent dans ces messages. Un jour, ça va se terminer en disant ce message, ce n'est pas vrai. Hein? Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Et le diable avance petit à petit. Je n'aimerais pas entendre quelqu'un qui me dit que Branham a commis des erreurs. Ça n'entrera pas. Il n'y a pas de place pour ça. Tout ce que je crois, il est un prophète. Comme Josué, qu'il soit dans les vrais, qu'il soit dans les mensonges, je suis avec lui. Et un prophète ne sera jamais dans les mensonges. Et comme il a été confirmé, il confirmera aussi ta vie. Il montrera que tu es un enfant de Dieu. Aimons le message. Aimons la parole. Aimons ce que Branham a dit. Et quand il était là, on lui a dit, ceux qui t'ont aimé, ceux que tu as aimé, je te les donne ici. Nous serons ensemble là-bas. Et quand il est descendu, il a dit, mes frères, quand j'étais là, je vous ai vu tous là-bas. Alléluia. N'êtes-vous pas heureux d'être là? Comme cette sœur-là, elle dit, frère Branham, je t'ai vu. J'ai vu cette nuée. J'étais vu en bien en blanc. Et tu es entré là où il y avait le visage de Jésus. Et tu es entré à l'intérieur. Et derrière toi, il y avait des frères qui portaient des drapeaux. D'Alabama. Ils étaient là derrière. Pendant que tu es entré, et aussi, ils entraient à l'intérieur. Moi aussi j'étais là avec les drapeaux du Congo, avec les drapeaux de Shekinah Tabernacle, hein, pour entrer à l'intérieur, hein? Pas tout le Congo. Je ne suis pas le représentant de tout le Congo. Mais je suis une partie du Congo. Le drapeau du Congo. Et le drapeau de Shekinah Tabernacle. Nous serons là. Merci que le Seigneur vous bénisse. Nous serons là par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, merci, merci de votre patience. Je vous apprécie pour ça. Nous allons nous lever. À Dieu soit la gloire. L'amour est noir.
transformé de gloire en gloire. Kobongwana kokota na kembo na kembo monene mingi lisusu koleka. Un retour à la gloire originale. Bozongi na kembo ya ebandela. Aujourd'hui, lelo Banam dit le même qui est descendu le jour de la Pentecôte. C'est le même Saint-Esprit qui est manifesté aujourd'hui. De gloire en gloire. Il est revenu à sa semence originelle. Avec le même signe, les mêmes prodiges, les mêmes bâtiments. Et cela va de gloire en gloire. Aujourd'hui, nous devons rester là exposés au soleil. Le soleil de la justice. Quand nous quittons ici, n'allez pas regarder la télévision. Okende kota la télévision te. N'allez pas regarder les choses du Okende monde. La makama na mokili te. Ouvre la parole. Fungola liloba. Contemple la beauté de Tala la bosepeli bonzenga na liloba. Que cela puisse rassasier, rassasier. Yango eko akotondisa yo. Que ça puisse te donner la force. Yango eko akopesa na yo makasi. Que ça change ta nature. Yango bongola lolenge na yo. Et frère Branham dit. Ndeko Branham azeko loba. La gloire, la chose suivante, ce sera le changement de cette gloire-ci en un corps semblable. Il faut déjà partir de l'intérieur que quelque chose puisse changer au jour le jour. Ne sois pas content d'être toujours le même chrétien. C'est un glorieux message que Dieu nous envoie. J'aime beaucoup ce message. Quand j'ai lu ce message, ça me donne beaucoup de joie. Ça me transporte. Comme frère Madame l'a dit, j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, mon œil t'a vu. Cela me transporte. Cela m'enlève. Cela me change. C'est pourquoi prenez ce message comme votre absolu. Lisez le message pour savoir qu'est-ce que les prophètes ont dit. Et vous allez voir que beaucoup de choses dans la vie, ça va changer. Quand nous ne lisons pas, nous n'avons pas la force. Quand tu es trop affamé, tu n'as même pas la force de parler. Les problèmes vont arriver, tu n'as même pas la force de prier. Une épreuve, tu n'as même pas la force de parler. Tu oublies parce que tu ne manges pas. Tu ne lis pas. Mais prenez ce message chaque jour. Lisez le message. Courez. En regardant à Christ. Pas aux choses du monde. Les choses du monde vous influencent. Mais laissez la parole influencer votre vie. Changez tout votre être. Alors que nous élevons nos mains. Tika kakalo. Yeswa. Colo
Molingami tatana likolo. Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir été avec nous depuis le début. Nous allons couper ça, penza matondi nandenge ozala ki elongo na biso utana ebandela. Depuis le commencement avec ces problèmes de la dot. Utana ebandela na likambo yo bwe ya musolo na libala. Merci pour avoir aidé, assisté. Matondi nandenge osali biso sungi biso. Que toi Seigneur tu Zère, tu puisses nous assister. Tikaete yokolo osunga biso ko akosalisa biso. Pour que nous puissions donner réellement au mariage de nos enfants. Poete toko akopesa kolo kuna libala ya bana na biso. L'image d'un mariage chrétien. Elilingi ya libala ya ba Kristo. Qu'on voie au travers de la dot. Ete bakwa komona na nzela ya mosolo ya libala que nous sommes des chrétiens. Ete biso tozali ba Kristo que nous avons cru à ce message. Ete biso tondimi sangumalamu na tango oyo que nous avons cru à la Bible. Ete biso tondimeli Biblia et que le principe biblique dans tout ce que nous faisons. Ete miango mia Biblia na maso mazali biso kosala. Ça doit refléter la modestie. E sengele kotalisa bomiso kisi. La simplicité. E sengele kotalisa bomikitisi. Ça doit montrer la lutte de l'amour. E sengele kotalisa epai na biso bolingo. Et c'est ce que nous voulons que le mariage de nos enfants puisse être. Pe ezali oyo biso tolingi te libala na bana na biso ezala. L'amour. Bolingo. L'humilité. Bomekitisi. La modestie. Bosku bosali likambo na bomoke na yango penza. La simplicité. Kosala yango penza na ndenge ya moke ya komekitisa. Quand cet esprit courant nous environner, nous les parents, les enfants et tout le monde. Tango molimo yango ekozingola biso biso baboti bana pe bato banso. Je crois que bien-aimé Seigneur nous donnerons au mariage sa véritable valeur. Nandimiete molinga mikolo tokopesa na libala kilo na yango ya solo. Aide-nous Seigneur notre Dieu. Sunga biso kolo nzambe na biso. Il y a un certain nombre de problèmes. Boko makambo mazali. Toutes sortes de choses. Lolenge nyonso ya makambo. Que ta parole soit notre absolu dans tout ce que nous pouvons faire. Dans tes principes, dans tes principes, tu ne soutiens que ce qui est conforme à la parole. Et tu es prêt à avancer avec l'homme. S'il cherche ta face, s'il cherche ta volonté, tu te révéleras. Aide-nous notre Père. Tant dans lequel nous vivons, où nous avons beaucoup de voix, beaucoup d'influence. Parce que nous voyons, ce que nous entendons. Aide-nous par ta grâce. À fixer nos regards sur Christ. À regarder à cette belle parole. À contempler cette beauté qu'il y a dans la parole. Et qu'en regardant ça avec joie. Dans le désir de nous conformer, que nous soyons au jour le jour transformés à l'image de la parole. Que nous puissions lire cette parole chaque jour. Afin que nous puissions être rassasiés des bienfaits, des bénédictions qui sont dans cette parole. Tout ne viendra pas par des miracles. Un peu de choses seulement par les miracles. Mais le reste, c'est notre consécration. C'est notre amour qui produit les miracles, des grandes œuvres. Si vous m'aimez,
Vous gardez mes commandements. Demandez ce que vous voulez et je vous l'accorde. Aidez-nous notre Père. Et ton prophète a dit, quand la pensée de Christ remplit nos pensées et que nous prononçons la parole, la chose doit s'accomplir. Parce que notre pensée est rassasiée de la parole. Et tondi na liloba. Aide-nous, Père. Sunga biso tata. Alors que nous allons sortir d'ici. Natango yo bobisto robima na sika oyo. Que nos regards. Tika ete miso mabiso. Se portent sur la parole. Eta la bobele liloba. Aide-nous à être toujours près de la parole. Sunga biso tango nyonso tozala kapene na liloba. Les temps sont mauvais. Tango ezali mabe. Des grandes vagues, des grandes tempêtes. Mi pepe makasi mbonge minene. Ça va emporter les uns ici et là. Et comme mes boko na ngambo wana basu na ngambo mosusu. Aide-nous, Seigneur, à rester stable. Sunga biso kolo ete toko akotele mangbi. Ainsi bénis tes enfants. Na boye pambola bana na yo. Tous les temps qu'ils ont passé dans ta maison. Bona tango nyonso bango balekisi kati na ndako na yo. Bien-aimé Seigneur. Molinga mikolo. Nous avons certainement apprécié cela. Na tembete penda to sepeli na yango. Le temps qu'ils ont passé. Tango oyo bango balekisi awa. Laisse que la bénédiction de Dieu. Tika ete lipamboli na nzambe. Leur soit accordée. Epe samela bango. Pour les temps qu'ils ont passé dans ta maison. Bona tango oyo bango balekisi kati na ndako na yo. Et alors qu'ils vont partir, qu'ils voient se matérialiser la bénédiction du temps qu'ils ont passé, qu'ils puissent recevoir la récompense pour ça. Père, que s'ils ont d'autres besoins, que toi tu les raccordes. S'ils sont malades, que tu les guérisses. S'ils ont des voyages, que tu les accompagnes. Notre Père et notre Tata Dieu, qui a commencé avec nous, qui termine avec nous. Que ton nom soit béni. Au nom du Seigneur Jésus. Na komo na kolo Yesu Christo. Amen. Amen. Encore une fois, grand merci.